Mallory fait les cent pas dans la cuisine, une pièce chargée de souvenirs. La faible lumière semble atténuer l'opacité des couvertures collées contre les vitres. Il y a du brouillard. Les enfants dorment sous le grillage drapé d'un tissu noir au bout du couloir. Mallory pousse un profond soupir avant de souffler la bougie. Elle fait le tour de la petite pièce, observe les ustensiles rouillés et les assiettes craquelées. La boîte en carton qu'ils utilisent comme poubelle, les chaises, pour la plupart renforcées avec de la ficelle. Les murs sont sales. On y voit des traces de pieds et de mains des enfants, mais des taches bien plus anciennes les également. À trois mètres de là se trouve la tache la plus sombre de toute la maison. Mallory ne s'en approche même plus. C'était jadis une agréable maison dans une banlieue agréable de Détroit, mais désormais ses fenêtres sont recouvertes de carton et de bois. il n'y a plus d'eau courante, un grand seau en bois trône sur le plan de travail de la cuisine. elle sent le renfermer. aucun jouet en plastique ne traîne dans les couloirs. des morceaux d'une chaise en bois ont été taillés au couteau pour faire office de figurines de fortune, au visage peint à la va vite. les placards sont vides, les murs dénués de toute peinture. Des fils courent sous la porte de derrière jusqu'aux chambres du rez-de-chaussée, où les amplificateurs alertent Malory et les enfants du moindre son en provenance de l'extérieur. Voilà comment tous trois vivent leur existence. Ils ne sortent jamais très longtemps, et toujours les yeux bandés. Les enfants n'ont jamais vu le monde en dehors de leur maison, pas même par les fenêtres. Pour Malory, ça fait quatre ans. Quatre ans. Elle n'a pas à prendre cette décision aujourd'hui. Il fait froid dans le Michigan en octobre. Un périple de 30 kilomètres ne va pas être une partie de plaisir pour les enfants. Ils sont peut-être encore trop jeunes. Et si l'un d'eux tombait dans l'eau, que pourrait-elle y faire alors avec ses yeux bandés Un accident Quelle horreur Après tous ses efforts pour survivre, mourir dans un accident Mallory se tourne vers les rideaux. Elle commence à pleurer. Elle voudrait crier sur quelqu'un, supplier quelqu'un de l'écouter. C'est injuste, dirait-elle, cruel. Par-dessus son épaule, elle regarde le couloir qui mène à la chambre des enfants. Derrière le cadre sans porte, les deux petits dorment à poing fermé, recouverts d'un tissu noir qui les soustrait à la lumière comme au regard. Ils restent parfaitement immobiles. Pas le moindre signe d'éveil. Ils pourraient parfaitement être en train de l'écouter pourtant. Parfois, à force de les contraindre à prêter l'oreille, à force de leur rabâcher toute l'importance de travailler leur oui, Mallory se demande s'ils ne peuvent pas l'entendre penser. Elle pourrait attendre des cieux plus ensoleillés. Qu'il fasse plus chaud, elle pourrait attendre d'avoir une fois encore vérifié le bateau. Elle pourrait en informer les enfants, écouter ce qu'ils ont à dire. Ils font parfois des suggestions dignes d'intérêt. Du haut de leurs quatre ans, Mallory les a formés à écouter à l'aider à naviguer sur un bateau piloté à l'aveuglette. Sans eux, Mallory serait bien incapable de se lancer dans un périple pareil. Elle a besoin de leurs oreilles. Quatre ans, elle en fracasserait son poing contre le mur. Quatre années peuvent facilement devenir huit, elle le sait, et huit devenir douze. Et les enfants alors seront des adultes des adultes qui n'auront jamais vu le ciel, jamais mis le nez à la fenêtre. À quelle sorte d'existence cherche-t-elle à les soustraire Tu es une mauvaise mère, incapable de leur faire connaître l'immensité du ciel, incapable de trouver un moyen de les laisser sortir s'amuser librement dans la cour, la rue, le voisinage, ou de leur accorder un unique coup d'œil furtif, juste une fois, à l'extérieur, quand les cieux s'assombrissent et se constellent soudain merveilleusement d'étoiles. Tu leur as sauvé la vie pour leur donner une existence dénuée de sens. Mallory voit les rideaux s'éclaircir encore un peu à travers ses larmes. S'il y a du brouillard là-dehors, il ne persistera pas très longtemps. Et pour qu'il les dissimule un temps soit peu, elle et les enfants, jusqu'à ce qu'ils atteignent la barque, il faut qu'elle les réveille maintenant. Elle écrase une main sur la table, Essuie ses yeux emplis de larmes, puis se rend dans la chambre des enfants. Garçon hurle-t-elle. Fille Levez-vous Maman Levez-vous, maintenant Maman vous demande de vous dépêcher. Les enfants s'empressent d'obéir, sans rechigner ou se plaindre. Où allons-nous s'enquiert la fille. Mallory lui tend un bandeau. Mais ça On va se rendre à la rivière. Les deux petits s'emparent des tissus noirs et entreprennent aussitôt de les attacher autour de leur têtes un exercice qui n'a plus le moindre secret pour eux. Ce sont des experts, pour peu qu'on puisse l'être en quoi que ce soit à quatre ans. Les voir s'exécuter ainsi lui brise le cœur. Ce ne sont que des enfants, ils devraient faire preuve de curiosité. Lui demander pourquoi aujourd'hui ils doivent marcher jusqu'à la rivière, une rivière que jamais de leur courte vie ils n'ont empruntée. Au lieu de quoi, ils se contentent d'obéir. Mallory ne s'est pas encore bandé les yeux. Elle préfère d'abord s'assurer que les enfants ont correctement mis le leur. Prends ton puzzle, dit-elle à la fille, puis aux deux, et n'oubliez pas vos couvertures. L'excitation qui l'a envahie est indescriptible. Elle confine bien davantage à l'hystérie. Mallory passe d'une pièce à l'autre pour vérifier qu'elle n'oublie rien d'important. Soudain, la jeune femme se sent horriblement mal préparée, et pas du tout en sécurité, comme si le sol sous ses pieds venait de disparaître l'exposant tout entière au monde extérieur. Mais quand bien même, malgré l'effervescence de ses instants, les bandeaux demeurent sa seule et unique priorité. Peu importe les outils qu'elle pensera emporter, peu importe les objets ménagers susceptibles de lui servir d'armes, elle sait que les bandeaux demeureront leur protection la plus sûre. prenez vos couvertures !» leur rappelle-t-elle en les entendant s'habiller. Elle se décide finalement à aller leur prêter main forte. La jeune femme va prendre un manteau dans l'armoire de sa petite chambre à l'autre bout du couloir, puis elle quitte la pièce pour ce qu'elle sait être la dernière fois. Oh, comme ce chien lui manque. Les premiers temps, lorsqu'elle s'est retrouvée seule à élever les deux enfants, ses rêves de fuite le long de la rivière incluaient bien évidemment Victor, le border colis. Victor n'aurait pas manqué de la prévenir si un animal s'avisait de les approcher d'un peu trop près. Il aurait été en mesure ensuite de faire fuir à peu près n'importe quoi. Bon, dit-elle, son corps souple dans l'encadrement de la porte de leur chambre, ça y est, c'est l'heure de partir. Par des après-midi calmes ou des soirs tempétueux, Mallory les a prévenus que ce jour pourrait arriver. Oui, elle leur a déjà parlé de la rivière, d'un voyage. Elle a bien pris garde de ne jamais utiliser le mot fuite. Elle se refusait à leur laisser croire que leur présente existence méritait qu'on la fuit. Non, elle leur a juste expliqué qu'un jour de bonheur, elle les réveillerait et leur demanderait de se préparer en hâte pour abandonner leur maison à jamais. Mallory s'agenouille devant eux pour vérifier leurs bandeaux. Ils sont bien fixés. En cet instant, alors que ses yeux passent d'un petit visage à l'autre, Mallory prend enfin pleinement conscience que leur périple a commencé. Elle empoigne leur menton. Écoutez-moi. On va prendre une barque pour emprunter la rivière aujourd'hui. Le voyage risque d'être long, mais il est essentiel que vous fassiez tout ce que je vous dirai de faire. Compris Oui. Oui. Il fait froid dehors. Vous n'avez besoin de rien hormis vos couvertures et vos bandeaux. Compris Oui. Oui. En aucun cas, vous ne devez enlever votre bandeau. Si jamais vous aviez envie d'enlever votre bandeau, si jamais vous essayez et vous vous avisez d'essayer, je vous ferai mal. Compris Oui, oui. Ouvrez grand vos oreilles. Vous allez devoir écouter aussi attentivement que vous le pourrez. Une fois sur la rivière, il vous faudra écouter au-delà de l'eau, au-delà des bois. Si vous entendez un animal à arpenter la forêt, dites-le moi. Si vous entendez quoi que ce soit dans l'eau, dites-le moi. Compris Oui, oui. Ne posez aucune question qui n'ait rien à voir avec la rivière. Toi, dit-elle en donnant une petite tape au garçon, tu vas t'asseoir devant. Puis elle fait de même avec la fille, et toi à l'arrière. Quand nous aurons atteint le bateau, je me chargerai de vous y installer. Moi, je vais me mettre au milieu, à la place du rameur. Interdiction de discuter, à moins que cela ne concerne les sons en provenance des bois ou de l'eau. Compris Oui Oui. On ne s'arrêtera sous aucun prétexte, pas avant d'avoir atteint notre destination. C'est moi qui vous préviendrai quand ce sera le cas. Si jamais vous avez faim, prenez à manger dans ce sac. Mallory le fait passer sur le dos de leurs petites mains. Ne vous endormez pas, ne vous endormez pas. Je n'ai jamais eu autant besoin de vos oreilles qu'aujourd'hui. Y a-t-il de la peur dans leur voix Écoutez-moi bien. L'endroit où nous nous rendons, vous n'y êtes jamais allé. Jamais vous ne vous êtes aventuré aussi loin. Il y a des choses dangereuses là dehors, des choses qui peuvent nous faire du mal si vous ne m'écoutez pas. Les enfants restent silencieux. Vous comprenez Oui. Oui Malory les a bien préparés. Bon, reprend-elle d'une voix légèrement hystérique, on y va. Maintenant Elle presse son front contre leur tête. Puis, main dans la main, ils traversent la maison au pas de course. Dans la cuisine, Mallory, toute tremblante, s'essuie les yeux et sort un bandeau de sa poche. Elle l'attache autour de sa tête, par-dessus, ses longs cheveux bruns. Elle marque une pause avant de tourner la poignée de la porte, la porte donnant sur le sentier qu'elle a emprunté à d'innombrables reprises pour aller remplir les seaux. Elle est sur le point d'abandonner la maison. La réalité de cet instant la submerge. L'air frais se rue à l'intérieur. Mallory, la tête remplie de scénarios trop affreux pour qu'elle puisse en parler devant les enfants, avance d'un pas. Elle bégait ses ordres, les hurle presque. Donnez-moi la main, tous les deux Le garçon lui prend celle de gauche, la fille passe ses doigts minuscules dans la droite. Le puits se trouve à une vingtaine de mètres. Elle a disposé tout au long du chemin de petits pieux, des morceaux de bois attachés à des cadres pour lui indiquer la bonne direction. Le sol est inégal sous leurs pieds à proximité du puits, anormalement meuble. Et voilà la clairière leur lance Malorie. Elle progresse avec la plus grande prudence. Le deuxième sentier, qui débute à dix mètres du puits, s'engage directement dans les bois. La rivière se trouve à moins de cent mètres. À la lisière de la forêt, Malory lâche un instant les mains des enfants. « Agrippez-vous à mon manteau !» Elle avance à tâtons le long des branches jusqu'à trouver le débardeur qu'elle a attaché à un arbre à l'entrée du sentier plus de trois ans auparavant. Le garçon saisit sa poche. La fille, Mallory, le devine s'empresse d'attraper la sienne. Elle ne cesse de leur parler tout en marchant, de leur rappeler de rester agrippés l'un à l'autre. Des branches viennent lui fouetter le visage sans même la faire tressaillir. Bientôt, ils atteignent le repère que Mallory a enfoncé dans la terre. Le pied brisé d'une chaise de cuisine fichée au beau milieu du sentier planté là pour qu'elle trébuche dessus, pour qu'elle le reconnaisse. Mallory a découvert la barque il y a quatre ans, arrimée à cinq maisons de la leur. Plus d'un mois s'est écoulé depuis la dernière fois que la jeune femme a vérifié qu'elle se trouvait toujours à sa place, mais ce serait bien le diable si quelqu'un l'avait volée. Dans leur situation, cependant, il est difficile de ne pas toujours imaginer le pire. Et si quelqu'un d'autre était tombé dessus Puis elle l'entend. Avant même d'atteindre le quai, elle entend le roulis de la barque dans l'eau. La jeune femme marque une pause pour resserrer leurs bandeaux, après quoi elle les conduit sur les planches de bois. Oui, se dit-elle, elle est encore ici. Tout comme les voitures abandonnées garées dans la rue devant leur maison, tout comme les demeures vides du quartier. Il fait plus froid hors des bois, loin de la maison. L'eau produit un bruit aussi vivifiant qu'effrayant. Après s'être agenouillée, là où elle pense trouver le bateau, elle lâche les mains des enfants pour chercher à tâtons. L'extrémité d'acier. Le bout de ses doigts identifie d'abord la corde qui retient l'embarcation. Garçon dit-elle en tirant l'extrémité glacée du bateau vers le quai. À l'avant Va te mettre à l'avant Elle l'aide à grimper à bord. Sitôt l'enfant installé, elle prend son visage entre ses mains et lui répète, encore une fois Ouvre grand les oreilles Écoute au-delà de l'eau Ouvre grand les oreilles Après avoir ordonné à la fille de rester sur le quai, elle détache la corde à tâtons. Et va s'installer sur le banc central. Toujours à moitié debout, elle fait monter le deuxième enfant à bord. Le bateau se met à tanguer violemment, si bien que Mallory écrase la main de la petite, qui ne bronche même pas. Le fond du bateau est couvert d'un mélange de feuilles, de brindilles et d'eau. Mallory le passe au crible pour y trouver les rames qu'elle a rangées sur la droite. Elles sont froides, humides. Elles puent la moisissure. La jeune femme les insère. Dans les rainures d'acier, les trouves solides, robustes, dans ses mains quand elle s'en sert pour repousser l'embarcation du quai et ensuite, la rivière. Si l'eau est calme, des bruits leur proviennent d'un peu partout. Les bois grouillent d'activité. Malory pense au brouillard, espère qu'il a dissimulé leur fuite. Mais le brouillard finira par se dissiper. Les enfants, leur dit-elle d'une voix entrecoupée. Écoutez Finalement, après quatre ans d'attente de préparation, après quatre ans à chercher en elle le courage de partir, elle s'éloigne du quai, de la rive, et de la maison qui les a protégées, elle et les enfants, pendant ce qui leur a paru durer une vie entière.